Bonjour à tous, alors aujourd'hui, bienvenue dans cette vidéo VTT. C'est vrai que malgré mon handicap et aujourd'hui les nouvelles technologies, notamment les vélos électriques, j'ai pu retrouver une certaine liberté, pouvoir refaire du vélo off-road. Alors c'est vrai que vous avez peut-être déjà vu une vidéo où je fais du vélo sur route, mais là, pouvoir faire des chemins, des descentes en VTT électrique, pour moi c'est des sensations très proches de la moto. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment excellent. Alors c'est vrai que pour faire du vélo électrique, j'ai toujours besoin de mes attelles. Mes attelles qui tiennent mes chevilles à 90 degrés. Donc là on prend toujours des attelles qui sont très résistantes, même si avec l'assistance de l'électrique, j'ai besoin de mettre beaucoup moins de force que sur un vélo traditionnel. Mais j'ai toujours besoin d'avoir mes chevilles à 90 degrés. Alors c'est vrai que, comme vous le savez, j'ai toujours besoin de cale ou bloquer mes pieds pour pédaler. Mais en VTT c'est toujours un peu compliqué parce que évidemment si on perd l'équilibre, ce qui est assez fréquent pour moi dans des situations un peu plus compliquées, je dois pouvoir quand même éjecter mes pieds au cas où pour mettre le pied par terre ou pour me rattraper ou ne pas tomber avec le vélo. Alors c'est vrai qu'avec ce système d'aimant qui me permet vraiment d'avoir une stabilité, ne pas perdre les pédales parce que j'ai aucune sensibilité dans les pieds, mais ça me permet quand même toujours d'avoir un minimum les pieds toujours collés aux pédales. Et donc j'ai l'aimant qui est à la fois sur la pédale et une plaque de ferraille dans les chaussures. C'est vraiment une technologie qui est pour moi entre les deux. Mes pieds sont pas bloqués, mais ils sont un petit peu bloqués à la fois. Donc parfois quand il y a beaucoup de vibrations, quand il y a des trous, j'ai ce problème que si je n'ai pas des aimants, mes pieds partent dans tous les sens et je perds les pédales. Donc là au moins mes pieds sont toujours sécurisés, je peux toujours pédaler vraiment avec une bonne fréquence et un bon rythme. Je peux avoir des escarres, toutes les personnes en fauteuil roulant ou paraplégique incomplet peuvent avoir des escarres sur des surfaces dures. Donc c'est pour ça qu'en chaise roulante on a un coussin anti-escarres. Et donc là c'est vrai, sur des sorties de VTT d'une heure et demie, deux heures, j'ai dû trouver une solution pour avoir une selle qui soit vraiment assez molle pour vraiment ne pas avoir ce problème au niveau des fesses. Donc ça a été aussi une adaptation. Donc, on dirait un vélo assez classique finalement, mais chaque chose est vraiment étudiée pour que je puisse ne pas avoir de conséquences derrière liées à cette pratique du VTT. S'adapter finalement c'est toujours la clé. Je dis souvent dans mes conférences, dans mes interventions, s'adapter face au changement, trouver des solutions. Et si je m'étais dit le VTT c'est pas possible pour moi à cause de mon handicap, que je n'aurais pas essayé de trouver des solutions, aujourd'hui je n'aurais pas cette chance de pouvoir me balader dans la nature, faire des montées, des descentes, aller faire des balades entre amis. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une chose importante, c'est s'adapter face au changement, trouver des solutions. Et aujourd'hui, grâce à mes attelles, grâce aux pédales, grâce à l'assistance électrique, ça me permet de retrouver vraiment une certaine liberté au quotidien. Alors peut-être que vous avez déjà vu sur les VTT électriques ou les VTT traditionnels, maintenant il existe des selles réglables quand vous roulez. Donc pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que quand je veux par exemple poser le pied à terre en urgence, j'ai juste à appuyer, tac, et la selle se baisse parce que j'ai pas vraiment d'équilibre. Et quand par exemple je suis en train de rouler, je peux régler constamment la selle à la hauteur que je veux. Et par exemple quand je prends des descentes, je baisse la selle au maximum pour vraiment être mis sur l'arrière et après je la remonte pour faire des lignes droites.